Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade Francis Turcan de Martigues pour cette 11e journée de votre série préférée, le meilleur championnat du monde toutes les semaines sur Chronos. Et aujourd'hui, c'est une différente affiche que ce qu'on a l'habitude de vous proposer, puisque une équipe de Haute-Savoie se déplace ici dans la Venise provençale. Le FC Martigues reçoit le FC Annecy, comme vous l'avez vu dans l'affiche préparée par Sylvain Poncet. Je suis Idriss Kasmi, je serai au commentaire avec vous. Toute l'équipe Chronos est bien évidemment au stade, pas de Nicolas Bontron aujourd'hui. Mais donc Sylvain Poncet à la réalisation et Farid Bendadou derrière la caméra. On va rentrer directement dans le match et vous présenter les enjeux de cette rencontre avec le classement pour regarder où on sont ces deux équipes. Il y a eu un peu de changement à la tête du meilleur championnat du monde ces dernières semaines. Tout simplement la semaine dernière, puisque Louan Cuiseau, qui était invaincu avec donc zéro défaite depuis le début de saison, s'est incliné face à Marignane. Vous l'avez vécu avec nous vendredi dernier sur Chronos. Et donc on a un nouveau leader qui est aujourd'hui sur la pelouse de Turquand, en l'occurrence le FC Annecy, qui reste donc sur deux victoires d'affilée. Et le FC Martigues qui est un peu plus bas, à la 5e place avec 16 points, et qui peut donc recoller à 2 points derrière son adversaire du jour pour continuer à aller vers l'objectif qui est le minimum, le podium, et si toutes les étoiles sont alignées, la montée. Et donc pour voir ce qu'il y a à jouer, on va voir du coup le programme de cette 11e journée. Vous le voyez sur votre écran, Marignane se déplace du côté de Jura Sud. MDA reçoit l'AS Monaco. On a aussi l'Olympique de Marseille qui se déplace à Saint-Priest. Avec aussi la réserve de l'Olympique Lyonnais qui se déplace à Louan-Cuiseau. Andoum se déplacera à Moulin-Isère. Grasse reçoit hier et Fréjus reçoit Nîmes. Dans le football provençal, si vous ne le savez pas, il y a de grandes chances que vous ne le savez pas, parce que personne n'a communiqué dessus malheureusement. Depuis 20 minutes se joue du côté de l'OM Campus sixième tour de la Coupe Gambardella entre l'OM et le Pays d'Aix. On a nos scouts là-bas qui sont tout simplement Azir Saïd Mohamed Cheikh, que vous avez vu avec nous il y a 2-3 semaines pour la diffusion entre l'OM et le FC Martigues, qui est sur place et qui nous tiendra au courant du score. Et on vous tiendra bien évidemment au courant du score tout au long de cette rencontre. Allez, un coup d'œil sur les compositions d'équipe. On est maintenant à 4 minutes des entrées des deux équipes. A commencer donc par le FC Martigues avec 2-3 changements. On aura Melvin Adrien dans les buts, Kevin Famba sur le côté droit, Alexandre Parmentier sur le côté gauche, Thomas Wilworth avec le brassard de capitaine en défense centrale, qui sera accompagné de la bonne surprise de ses dernières rencontres, Jean-Charles Bello, avec un milieu à terrain à 4 qui devrait être Belloumou, qui remplace Anthony Cabon, blessé, qui sera donc accompagné de Fouet Kadir. Djaoui Diarra sera sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. On devrait avoir donc du coup Ivan Kimbundu sur le côté gauche, et puis une attaque à 2, Anderson Banvo, Chris Malonga pour le FC Annecy, de ce qu'on a pu avoir vu que c'est la première fois qu'on les diffuse cette saison et que l'équipe a un peu changé depuis l'an dernier. On devrait avoir un 4-2-3-1 avec Julien Pérez dans les buts, Nicolas Garbi sur le côté gauche, Romuald Marie sur le côté droit de la défense, une défense à 4 avec Maxence Chapuis et Jonathan Goncalves en charnière centrale. Pinto Borges et Alexandre Fillon devraient former le double pivot du 4-2-3-1, qui sera composé également en pointe haute, en position de meneur de jeu, de Noé Cabezas. Mehdi Kadi sera sur le côté droit, Jean-Jacques Rocky sur le côté gauche, et puis devant, Nicolas Poulain, qui a cette saison la mission, la lourde tâche de remplacer la plus grande légende du meilleur championnat du monde, Nassim Akrour, qui a pris sa retraite à la fin de l'exercice précédent. Le FC Annecy, si on le rappelle, c'est le club qui est né des vestiges de Feu et Vientenon Gaillard. Et donc le FC Annecy, gros club, un des plus gros budgets de N2D, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est même le plus gros budget de N2D, le FC Annecy, et qui logiquement occupe cette place de leader, mais il faut la garder jusqu'à la 30e journée, cette place. Les joueurs prennent place sur le banc, à droite donc le banc du FC Martigues, à gauche le banc du FC Annecy. On va vous donner ensuite tous les codes couleurs.
Je pense que l'AFC Martigues devrait jouer en sans et hors. C'est bien ça, vous le voyez sur les images de Farid Bendadou. Avec Najim Abdou qui sera sur le banc. Voilà, bah on va vous parler des bancs. Hein. Du coup, avec Adama Diakité, Najim Abdou, Ibrahim Madji, Ibrahim Fofana et Salim Benmouana sur le banc du FCM. Et sur le banc d'Annecy, on aura Christopher Desmartins, Mathia Sestito, Eloge Nzayamissi, Jérémy Fejose et Lucas Mossio. Bah, pour être complet sur la rencontre, on aura le trio arbitral composé de Grégory Vargas, Antoine Grut, Jacques Salz. Pendant que les deux équipes font leur entrée sur la pelouse, le FC Martigues en sang et or et le FC Annecy en noir. Et vous le voyez peut-être au fond de votre écran, les Maritimes à Supra qui ont prévu leur petit tifo avec un agitement de drapeau et de confettis. On embrasse bien évidemment le meilleur groupe de supporters du meilleur championnat du monde, les Maritimes à Supra. Alors que les U16 et U18 du club Martégal accompagnent les 22 acteurs de cette rencontre. On va voir un peu les détails que l'on ne maîtrisait pas lors de l'annonce des deux compositions d'équipe, s'ils se confirment ou pas. Donc si Martigues reste bien 4-4-2 à plat avec Kimundu ailier gauche, ou si on a un changement de système avec Kimundu qui est un milieu relieur de formation, qui a beaucoup dépanné au poste de sentinelle, beaucoup dépanné également, surtout la saison dernière, au poste de latéral gauche. Aujourd'hui, au vu des présences de Le Parmentier, Famba, il devrait évoluer plus haut sur le terrain. Mais à voir. Alors que le protocole arbitral continue avec les deux coachs, Eric Schell d'un côté, Michel Ponsignon de l'autre. Alors que vous avez vu sur les images de Farid Bendadou, le groupe Martégal au rassemblement est prêt pour la photo d'équipe. Et derrière, le groupe d'Annecy en ronde pour se préparer à la rencontre. C'est une grosse affiche, hein. C'est vraiment l'affiche de cette journée. Premier contre cinquième dans un stade turcan qui est plutôt rempli quand même, vu des températures qui baissent. Alors qu'on aura une minute de silence annoncée par le speaker. Voilà. Un an après la catastrophe de la rue d'Aubagne, tout Turcan se lève et on va observer également nous une minute de silence. C'est parti. Allez, minute de silence religieusement respectée ici à Turquan. On pense bien sûr à toutes les familles et à tous ceux que cette catastrophe a touché. Et on donne le maximum de force au collectif du 5 novembre qui essaye de reloger, d'aider tout le monde. La marche pour la mobilisation, c'était aujourd'hui à Marseille. Allez, continuez d'envoyer vos forces sur les réseaux sociaux, même en vrai, surtout en vrai même. D'aller aider les plus démunis. Mais on va malheureusement ou heureusement se recentrer sur notre objectif du jour. En ce qui nous concerne, la 11e journée. Avec, donc vous l'aurez compris, Annecy en noir et les Martégons sans et or. Coup d'envoi pour Annecy qui sera donné par Noé Cabezas. Allez, l'arbitre qui fait tous les contrôles d'usage. Et c'est parti! Coup d'envoi Annecy et premier ballon. Dégagé par la défense savoyarde, ressorti en touche par Kevin Famba. Alors que c'est bien ce... Attention à ce ballon qui est relancé dans l'axe, Belou Moukadir. Alors visiblement, le ballon était ressorti en 6 mètres. Et ce sera pour Melvin Adrien.
Alors qu'on vous tiendra bien sûr au courant de tout ce qui se passe au campus, comme je vous l'ai déjà dit. Et à l'instant où je vous parle, il y a toujours 0-0 entre l'OM et le Pays d'Aix à la demi-heure de jeu. Kadir, qui se fait ôter ce ballon. Le contrôle est bon de Fouad Kadir. La remise pour Kimundo un peu moins, alors que c'est visiblement un 4-4-2 à plat. Avec Kimundo donc en position d'ailier gauche. Dégagement, on a un joueur au sol. Côté Annecy, le ballon est sorti en touche. Et on va aller voir le joueur touché en bas. C'est Jean-Jacques Rocky, le capitaine d'Annecy, qui est touché. Alors qu'on fait entrer les soigneurs. Enfin, le soigneur. En l'occurrence, on reste en National 2 quand même. Alors, j'ai pas bien vu ce qui lui est arrivé. Si mes confrères à côté auraient... Non. Je crains qu'il ne se soit blessé tout seul et donc que ça serait musculaire. Pour Jean-Jacques Rocky. On va voir. Mais ça n'a pas l'air d'aller du tout. Pour le capitaine Savoyard. Au Savoyard, pardon. On ne mélange pas à couture et haute couture. Alors pour l'instant il se relève, il va quitter la pelouse. Ouais, visiblement c'est un coup. C'est un coup, donc ça devrait aller. Il devrait reprendre sa place. Allez. Ballon sang et or. On a déjà envoyé Christopher Desmartin à l'échauffement. Wilvert. Allez Famba. Oh, le contrôle de Famba se mêle. Il est parti à l'avant. Pas de faute, la mauvaise passe par contre de Famba et attention derrière à Samir Belloumou qui vient rapidement combler les trous. Et longue touche alors que Jean-Jacques Rocky a repris sa place sur le terrain. Et Jaoui Jara qui va gagner la touche. Ouais, il se bat là, Banvo. Et il le perd ce ballon. On est à coup de long ballon là pour l'instant. Wilvert qui sort son camp. Et Jean-Jacques Rocky. Qui du haut de son 1m70, grand max. Nous sort une belle tête tout en détente. Malonga en pivot. Ouh là là, encore un coup de Jaoui Jara sur Jean-Jacques Rocky. Non, c'est un coup de Malonga pour le coup, désolé. Visiblement, c'est au même endroit. Le voilà, Rocky. La tête. Et Cabezas qui se fait récupérer par Bello. Oula, Bello qui dévisse un peu son dégagement. Voilà, mauvaise remise. Et la touche sera pour le FCM. On reste beaucoup dans cette zone du terrain pour le moment. Et Kadir qui vient surgir et qui récupère ce ballon, Fouad Kadir. Et qui peut lancer Jaoui Jara. Qui là se lance à grandes enjambées avec ses longues jambes. Et la bonne défense de Goncalves. Il continue de se battre, Jaoui Jara. Et c'est sorti par Garbi. Qui va même gagner la touche.
ce contrôle approximatif là de Pinto Borges. Kadir, Famba, le bon pressing des joueurs d'Annecy qui empêchent Martigues d'aligner trois passes. Depuis le début du match, c'est très compliqué pour les Martégos d'essayer de jouer au ballon. Djara qui essaie de remiser sur Malonga. Non, Pinto Borges, pas de faute. Revoilà Malonga avec Famba. C'est une bonne défense de Fillon. Belomou. Famba. Famba qui revient derrière avec Wilbert qui permet de gagner de lignes. En pivot sur Banvo qui est venu sur Kimundu pardon qui vient chercher les ballons un peu plus bas. Malonga. Ouais, c'est encore dégagé par Marie. On n'a pas beaucoup de solutions dans les relances des deux côtés pour l'instant. Le Parmentier qui essaie de prendre son couloir. Il va trouver Djara. Il a des solutions derrière. Il va trouver Malonga. En pivot sur Belumu, voilà, qui peut éclairer le jeu sur Famba. Et il peut s'appliquer. Kevin Famba, le bon centre. La tête à l'entrée de la surface d'Anderson Banvo. Non, c'était Kimundu encore une fois. Allez, en tout cas, les pour l'instant, la légère domination, elle est sans Yor. Mais bon, on joue depuis 8 minutes. Wilbert. Jean-Charles Bello, buteur. Face à hier. Long ballon. Oh, attention à Poulain qui est pour l'instant bien seul devant à la pointe de l'attaque savoyarde. Oh, savoyarde, je vais me reprendre jusqu'à ce que ça rentre. Kadir, non, c'est Belumu. On appuie sur Djara qui laisse filer. Le ballon arrive dans les pieds de Banvo. Oh, avec Malonga, c'est un peu long. Ah, c'est bien récupéré, Kadir. Oh là là, c'est un peu brouillon. Rocky, le ballon est sorti. Il revient dans les pieds. Martégal. Kimundu. Ah, il est bien seul là, Kimundu, sur son côté. Voilà. Il revient sur ses pas. Et trop Wilbert. Bello. Qui va laisser filer pour Famba. Le voilà, Bello. Allez, même Malonga est obligé de revenir. Sur la même ligne que le milieu de terrain récupérateur pour toucher un peu le ballon. Le voilà justement, Belumu. Voilà, mauvaise passe de Belumu, c'était pour Jawai Djara. Ça finit dans les pieds de Julien Pérez. Allant qui file. Allez, première situation intéressante pour le FC Annecy avec ce coup franc excentré. Mehdi Kadi qui s'est saisi du ballon et qui va essayer de le mettre dans la boîte. Tous les grands sans monter. Chapuis, Goncalves, Pinto Borges aussi. C'est frappé à l'entrée de la surface et c'est dégagé par Jawai Djara. Ah, la mauvaise relance
Et Belloumou qui peut lancer l'offensive. Il est rattrapé dans le dos par un excellent retour de Fillon. Blow. Le Parmentier. Avec Villeverte, on fait beaucoup circuler le ballon pour l'instant côté Martigues. On essaye de trouver les solutions. Oh la faute. Même l'arbitre en glisse. La grosse faute de Fillon sur Fouet Kadir. Touche qui sera pour le SCM. Le ballon pied gauche, le centre est complètement raté. Ça sera un 6 mètres. Un début de match très approximatif, techniquement parlant. On n'est même pas encore à la 13e minute. Qui va filer en touche pour Annecy. Et ça revient encore. Ah, la mauvaise passe qui finit dans les pieds Annecy. Annecy, pardon. Allez. Poulain, le bon ballon à gauche, il a de l'espace pour s'exprimer Garbi, mais Famba défend très bien. Goncalves, et là Annecy reprend un peu le pied sur le ballon, le centre de Marie, oh Cabeza s'affile, et c'est sorti, voilà bon contrôle là de Fouet Kadir. Qui fait apprécier sa technique encore. Malonga peut décaler Belloumou. Et là, vu que les Hauts-Savoyards sont partis à l'abordage, il y a un peu d'espace pour les Martego. Oh, la mauvaise passe de Kim Mundu qui rend ce ballon à Jean-Jacques Rocky. Et là, il attend le départ de Poulain. Il aura lieu. Le centre complètement raté de Poulain qui est hors jeu. Famba, la tête. Ah, ça reste dans les pieds encore Martego, le bon contrôle de Jaoui Diarra. Ah, qui la s'enferme. Il s'enferme Diarra. Ah, le dégagement. L'arbitre laisse. Ouais, il va revenir à la faute. Ah, c'est ce que lui dit Rickshell. Transmet plus vite. Le coach Rickshell qui est un vieux briscard du football. N'a jamais quitté les terrains depuis qu'il y a foutu un pied 6-5 ans. Que ce soit en amateur, en pro et derrière dans un staff.
Attention, c'est encore perdu. Le centre, c'est bien récupéré et gardé tranquillement par les joueurs du FCM. Et c'est envoyé devant. Assure Anderson Banvo. Ouais, faute de Garbi. L'arbitre qui demande du calme à tout le monde, monsieur Jacques Salz. Avec Adjir devant. On a essayé de jouer vite pour surprendre tout le monde, mais le ballon part directement dans les mains de Perez. Il faut mettre un peu de rythme là, on est à 17 minutes. Et ça commence déjà à ronronner. C'est très 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 brouillon ce qu'on voit pour le moment. Fillon. Obligé encore à chaque fois d'aller chercher via des langues transversales. L'échangement d'ailes et trouver Marie. Loin devant, il est hors-jeu Poulain. Melvin Adrien pour le dégagement. Là, on va faire un peu monter le bloc. Côté Martigues. Tête de Bito Borges pour un peu faire respirer sa défense. Et Marie qui peut dégager en touche. Et même l'avoir cette touche puisqu'elle est contrée par Banvo. Oula, elles sont entrées dedans. Vilvert et Kadir. Allez, là, il y a moyen d'éclaircir un peu le jeu. Non, on va encore rester sur le côté gauche. Avec Kibundu, le centre. Non, c'est pas Kibundu, c'était Malonga qui est parti dézoner sur le côté gauche. Et ça sera une touche et non un corner. Allez, Martigues, là, il faut mettre un peu plus de justesse dans son jeu. Et côté Annecy, être un peu plus agressif devant. Mais là, on pourra avoir un vrai match parce que là, ça dort un peu depuis 19 minutes. Et la touche, ça sera un corner, non? Alors que du côté du campus, la mi-temps vient d'être sifflée entre l'OM et le Pays d'Aix. Et apparemment, on ronronne pas mal aussi là-bas. D'après nos deux reporters de choc sur place, 13-0-13 et Azir Saïd Mohamed Cheikh. On s'ennuie ferme dans le choc provençal de ce sixième tour. Oula, grosse charge dans le dos là de Kibundu. Alors qu'on joue très vite côté Annecy. Le Cabeza s'est relevé aussi très vite. Garbi. Ouais, il a du mal à garder le ballon. Le bon pressing de Belloumou. Qui est venu aider Jean-Charles Bello. Qui a complètement éteint cette charge. Et cette contre-attaque au Savoyard. Faute de Belloumou encore. Pas mal d'arrêts de jeu, que ce soit des sorties de balles ou des fautes. Allez, Jean-Jacques Croquis, on lui demande de mettre le ballon devant. Dans la surface. C'est vrai que c'est pas gagné depuis tout à l'heure. Et là, non plus. Ah, ça revient. Encore la frappe manquée de Poulain. Et la contre-attaque encore à jouer pour le FCM avec Kadir. Et là, il y a un espace à trouver s'il le trouve. Non, on va chercher d'abord Malonga. Le bon repli défensif des Hauts-Savoyards. Malonga, il peut rentrer à l'intérieur. Essayer de chercher Kibundu, c'est compliqué. Malon qui revient en chandelle sur Malonga. Oh là là, Wilvert, la passe de l'extérieur du droit. Et le Parmentier qui garde le ballon dans l'air de jeu. Et la petite double chandelle
par Marie. Famba, non, perd le ballon. Et Cabezas qui va s'arracher pour aller le chercher, mais non. Toujours pas. Garbi. Il est bon ce ballon. Il est bon ce ballon pour Rocky. Mais la bonne défense de Jean-Charles Bello. Et encore le ballon perdu par les Martégou. Défensivement parlant, Annecy, c'est plutôt solide, surtout dans le pressing, alors que là, il y a une passe en cloche dans le dos de la défense. C'est Poulain qui a encore signalé hors-jeu, il me semblait pas pour le moment. Mais on va faire confiance à l'arbitre assistant. Dégagement, non, c'est encore contré. On joue à 24e minute. Ici à Martigues. Et il me semble pas avoir vu une seule frappe dans ce début de match. C'est que l'enjeu est en train de tuer le jeu. Dans cette bagarre à la première place. On va essayer de vous donner les scores des autres rencontres si on arrive à se les procurer au fur et à mesure. Alors que là, une belle bagarre au milieu de terrain, c'est sorti. La tête de Garbi, l'arbitre va revenir à la faute de Chris Malonga. Alors que visiblement, sur les autres terrains, ça bouge pas des masses non plus. À moins que les scores ne sont pas tous arrivés à la base, on va dire. Du côté de Saint-Priest, l'OM et Saint-Priest sont à un partout à la demi-heure de jeu passé. Ou presque. Et du côté de Chasselet, Chris, l'ancien défenseur de Lyon, est en train de jouer un mauvais tour à Ludovic Giuli, qui est devenu entraîneur adjoint de la réserve. Parce que MDA est en train de mener 2-0 face à la réserve de l'AS Monaco. Famba, le dégagement. Et sinon, sur tous les autres terrains, on est sur un score nul et vierge pour le moment. Le centre de Marie, ça reste aux avant de la surface. C'est Famba qui récupère. Le long ballon, et ça reste encore par Marie. Et Julien Pérez qui va tranquillement garder ce ballon. Ne pas se presser pour le relancer. Garbi. Bello récupère. Mais Belloumou peut repasser derrière. Long ballon de Belloumou. Oh, attention, faute de Belloumou encore en retard.
Il a tout fait hein, sur ces 30 dernières secondes, Samir Belhomou. Luan Cuiseau vient d'ouvrir le score sur son terrain face à Lyon. Luan Cuiseau doit rebondir après sa défaite face à Marignane, surtout en cas de bon résultat d'Annecy, parce que ça pourrait partir très vite. Tout le monde se tient à la 11e journée. On a 4 équipes à quasiment égalité dans ce championnat. On a 4 équipes qui se tiennent en 3 points, Moulin, Isère, Grasse, Luan Cuiseau et Annecy. Faute de Fillon sur Djawé Diarra, non sur Anderson Banvo. Qu'à dire? Le long ballon, il est bon ce ballon. La tête, non. Ça ressort. Ouais, ça revient dans les pieds Martego. Le Parmentier en une touche. Pour trouver Kibundu. Du droit, le bon centre. La tête et la parade de Julien Pérez. Et là voilà, il fallait attendre la 28e minute pour avoir la première belle occasion de ce match. Avec cette tête, il me semble, de Jean-Charles Bello qui était dans la surface. Il a failli marquer son deuxième but de la saison en 2 matchs. Il va gagner son duel. Oh là là, Banvo qui bute sur Pérez. Oh, il est parti se battre pour l'avoir ce ballon, Banvo. Alors que visiblement, il s'est fait mal. Allez, on a eu plus d'occasions en 40 secondes qu'en 28 minutes. Si ça pouvait, on pouvait rester sur ce rythme jusqu'à la fin, ce serait pas mal. Allez, on est à un quart d'heure de la pause. Vous voyez sur les images de Farid Bendanouf, Anderson Banvo qui se relève. Et visiblement, on a envoyé Adama Diakité à l'échauffement pour le FCM et Anderson Banvo, ça a l'air de tirer hein, sur les adducteurs. Belhomou, la belle passe vers l'avant avec Kadir qui peut rentrer à l'intérieur, non. Ballon récupéré avec Kadir au 20 mètres, cherche quelqu'un, on trouve Malonga. Attention, il y a du monde là sur Malonga, il faut libérer ce ballon. C'est très bien défendu par Annecy avec Jean-Jacques Rocky qui là peut libérer l'espace pour Garbi. Petit piqué par-dessus pour trouver Poulain. Attention Jean-Charles Bello qui peut tranquillement remiser sur Melvin Adrien. À la tête. Et Belhomou encore. Garbi. Rocky. Oh, gros tac de Famba. L'arbitre ne dit rien. Cabeza. Et l'arbitre ne bronche pas. Parce qu'il aurait pu avoir faute.
Bellumu. Elle revient derrière avec Bello. Ville verte. Oh, le bon ballon dans l'espace pour le Parmentier qui rentre à l'intérieur, le centre du gauche. Ça revient, le Parmentier encore, non. C'est gardé par Marie qui... non, pas par Marie, pardon, par Medicadi qui s'est fait une percée, mais qui... Noé Cabezas qui perd le ballon. La grosse faute. Gros contact en tout cas entre Anderson Borvo et Goncalves. Non, c'est pas Anderson Borvo, c'était Jawoy Jara. Bello, attention à ce contre favorable qui aurait pu profiter à Medicadi, mais Poulain qui essaie de chercher Rocky. Oh, l'excellente défense de Bello pour enlever ce ballon. De Cadi, Pinto Borges, le centre, non. Oh, Marie, oh, le centre du gauche et la tête, la belle tête de Bellumu pour faire respirer sa surface. Il faut être Kadir qui fait gagner des mètres à son équipe. Allez, c'est bien joué, Jawoy Jara. Et là, il y a la solution, 3 contre 3. 4 contre 4, même avec Fouad Kadir qui arrive aussi. La frappe dans les mains de Julien Marie. De Julien Pérez, pardon. Julien Marie, c'est un autre personnage du paysage marseillais. Frappe de Chris Malonga. Voilà, bonne passe, non ? Bellumu, Malonga, Kemundu, qui délaisse un peu son côté gauche lorsque son équipe a le ballon. C'est qu'il n'a pas été fourni, très fourni en gonfle, Ivan Kemundu. Bellumu. Et ville verte. Le voilà justement Ivan Kemundu. Il y a le départ de Le Parmentier, mais il va d'abord s'appuyer sur Jawoy Jara. La passe manquée de Jara pour Kadir. C'est un festival là, depuis le début du match. Rocky qui demande du soutien. Dans le dos de la défense, c'est beaucoup trop compliqué pour Garbi. Famba. Oh, c'est encore brouillon. Bello. Malonga. Encore Famba. On revient beaucoup derrière là, côté FCM. Tête de Chapuis. Malonga en pivot. Oh, il est obligé de revenir derrière. Il a traversé le rond central. Malonga, Jara. Ouais, tentative de double contact, c'est complètement raté. Faute de Malonga, de Jara, là. Beaucoup de mal aujourd'hui entre les offensifs Martego pour moi. Vous m'en excuserez. Faute de Pinto Borges.
Long ballon, la tête. Malonga, Kibundu dans l'an central. Kibundu qui va chercher dans le, dans le dos de la défense Diarra. Non. Il essaye de remiser Jawad Diarra, mais pas très précis dans ses transmissions. Kadir oblige Rocky à dégager n'importe comment. Et ça revient dans les pieds Martego avec Famba. Il est obligé encore de reculer face à ce bloc au Savoyard qui est très 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 solide. Vilvert. Le long ballon de Thomas Vilvert avec Kadir, le contrôle est parfait. Famba, Kadir, le dédoublement de Famba, mais c'est beaucoup trop compliqué à remettre. Et Poulain qui peut lancer la contre-attaque pour le FC Annecy, mais Jean-Charles Bello est très 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 solide. Ça reste encore là, c'est brouillon encore. Et Pinto Borges qui peut relancer. On centre, ça revient dans les pieds. Ah, Rocky n'a pas osé tenter. On une touche. Le centre de Garbi, l'envolée de Melvin Adrien. Sera rendu au FCM. Diarra, allez, la bonne remise pour Famba et là il y a de l'espace. Ah, les appels sont pas bons. Les appels des offensifs Martego sont toujours dans des zones stériles. Pinto Borges qui a du mal à dégager, ça retombe dans les pieds de Kadir. Bien joué pour Malonga. Non, ça revient dans les pieds de Bellomou. C'est compliqué encore et c'est encore raté. Vilvert. Obligé de repasser sur les deux axios. C'est mieux que de perdre bêtement le ballon hein, côté côté Martigues, mais c'est toujours stérile. Alors que là, cette perte de balle de Kimundu peut faire très mal si le repli défensif ne suit pas. Le centre de Kadi, c'est contré et Melvin Adrien a sauvé le corner. Le ballon reste dans l'heure de jeu. Que sur les autres terrains, Louan Cuiseau vient de doubler la mise
face à la réserve de l'Olympique Lyonnais et donc reprend sa place de leader pour l'instant. À égalité du coup avec le FC Annecy, parce que si on en reste là, le FC Annecy serait avec un point de plus à 22 points. Et donc l'Ancuso égalité avec 22 points. Et Grasse s'est imposé la semaine dernière face à l'OM. Toujours tenu en échec sur son terrain face à hier. Et qui pourrait être avec une victoire recollé aussi à 22 points. C'est vrai que ce match nul d'Annecy. Et donc ce match nul d'Annecy, pardon, permettrait d'avoir un triumvirat à la tête du championnat. Grâce à Annecy Louan-Cuiseau. Tandis que Moulin-Izer est aussi tenu en échec sur son terrain face à Andoum. Mais Moulin-Izer est un peu l'équipe, c'est le cas de le dire, un petit cran en dessous parce qu'ils ont un point de moins que les autres. Et en cas de victoire, Moulin-Izer serait à 21. Et donc, juste un petit cran derrière Annecy et Louan-Cuiseau. Alors que le dernier champion du meilleur championnat du monde, le Sporting Club de Toulon, qui a récemment changé d'entraîneur, vit une situation compliquée en national. Toujours aucune victoire. Et là, Toulon qui affrontait son voisin de championnat, le Puy. C'était le choc entre le 17e et le 18e du championnat. Et bien, ça a terminé sur un triste 0-0 en direct de bonne rencontre. Toulon qui risque très fort de revenir à moins d'une deuxième partie de saison historique. Toulon risque de retrouver le meilleur championnat du monde la saison prochaine. Et en parlant de ceux qui étaient dans le meilleur championnat du monde la saison dernière, l'Atlético Marseille, toujours leader de National 3, alors que le Parmentier récupère le ballon. Malonga revient derrière sur Kibundu, c'est encore stérile. Avec Kadir qui garde le ballon, alors qu'on va jeter un œil à tous les résultats de National 3, Corse-Méditerranée. Alors qu'attendait Kevin Famba, non, toujours rien, on va revenir derrière. Bon, on va revenir à l'actualité. Donc, Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu qui s'est imposé 3-0 face à Gémenos. Ça va pas du tout du côté de Gémenos depuis le départ de Tito Asni, qui est l'entraîneur historique du club de Gémenos et qui a rejoint le centre de formation de l'Olympique de Marseille pour aller étoffer le staff des U17. Avec Stéphane François. Et depuis, c'est toujours aucune victoire. Aubagne mène 2-0. Le match est toujours en cours. Il a commencé à 18h face à Mandelé à Napoule. Alors que là, l'arbitre ne bronche pas sur ce contact entre Garbi et Banvaux. Le ballon n'est pas sorti par les hauts savoyards. Si. On va aller voir comment ça se passe pour Chris Malonga qui est au sol. Et 3-0 donc pour Aubagne face à Mandelieu. Avec Cannes qui s'est imposé face à Balagne. L'Atlético donc qui s'est imposé tout à l'heure à la Martine face à la CA Ajaccio 1-0. Dans le derby corse entre Furiani et Luciana. C'est Luciana qui s'est imposé 1-0. Et Nice, la réserve de l'OGC Nice et le FC Istres sont toujours à 0-0. On vous invite à aller voir nos copains d'ActuFoot. Pour voir comment ça se passe, pour suivre toute l'actualité, peu importe votre département. Oh, attention, cette passe, elle est encore ratée pour le FCM. Famba. On vient sur Melvin Adrien qui prend son temps. Et le long dégagement. Melvin Adrien, la tête qui surpasse. Alors qu'au classement, pour le GA, alors qu'on est dans le temps additionnel de la première mi-temps, au classement de N3, l'Atlético Marseille et l'OGC Nice suivent de très près Luciana qui est leader. Et Djaoui Diarra qui perd son duel, c'est dégagé par Garbi. Allez, l'arbitre qui va siffler la pause et renvoie les 22 acteurs au vestiaire. On espère que
que les sachets de vitamines et le Red Bull couleront à flot pendant la mi-temps. Ça peut réveiller tout le monde. Allez, on, bah, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Hein. Première mi-temps complètement stérile, légèrement à l'avantage des Martégos, même si... il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, franchement, je ne sais pas comment résumer cette première mi-temps. C'est assez brouillon, c'est assez compliqué. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure. Thank you.
Thank you.
Et nous sommes de retour ici au stade Francis Turcan pour la reprise de cette rencontre entre Annecy et le FCM. Si vous nous rejoignez seulement, 0-0 pour le moment, vous n'avez pas raté grand chose. Peu d'occasions dans ce match. Léger, mais vraiment très léger. Hein. Avantage au FC Martigues qui a campé un peu plus dans le camp au Savoyard. Mais voilà, comme je vous le dis, c'est très 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 léger comme avantage. La meilleure action du match, elle est pour le FCM avec un duel, double duel de Banvo et de Kimundu. Mais qui n'ont pas trop, trop inquiété Julien Pérez. Allez, c'est reparti. Oh là, attention, première touche de balle. Un peu tranquille de Joey Jara. Et bonsoir Idriss Kasmi. Et bonsoir Sylvain Ponce. Ah, l'invité du soir surprise. Je m'embêtais un petit peu derrière la machine. Ah, donc bah, je prends le mic. C'est pas genre de match rester derrière la prod. Ouais, c'est pas fabuleux quand même. Hein. Ce soir à Turcan, on a connu mieux. Attention, ce long centre qui va raser le terrain. Alors si je m'abuse, Sylvain, ça fait quasiment un an qu'on t'a pas entendu, parce qu'on va pas se vous voyez. Hein. Ouais, ouais. Qu'on t'a pas entendu avec le micro. Oui, c'est vrai. Mais ça me grattait un peu. Ah non, mais bon, ce soir, là, bon, on s'ennuie un peu, alors on prend le micro. Bonsoir à toutes et à tous d'ailleurs. Merci de nous suivre, parce que vous êtes assez nombreux quand même, finalement, pour un match pas terrible. Et on remercie toute la communauté du FC Annecy qui, à distance, nous suit. Oui, Léo Savoyard. Plutôt active dans les commentaires, on aime ça. Et continuez, bien évidemment. Bien évidemment, vous connaissez les classiques. Hein. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Si jamais quelqu'un de votre entourage est intéressé par le live, mais qui n'est pas au courant, vous appuyez sur partager, partager ami. Et s'il tombe dessus, il y a de grandes chances qu'il reste avec nous et qu'il passe une bonne soirée. J'ai même vu qu'il y avait des beaux jus qui regardaient. Alors, ça, pour que des beaux jus regardent un match de foot à Martigues, faut le faire. Les Bauges, le massif des Bauges au-dessus du lac d'Annecy. Qui doivent être en bout de ligne en plus, hein, parce que ceux qui regardent, ils sont vraiment en bout de ligne. Attention, ce ballon dans le haut de la défense de Le Parmentier qui traîne un peu, mais non, ça reste dans les mains de Julien Pérez. Il y a quand même du côté du FC Annecy pas mal de maîtrise, hein, quand même. Défensivement, je trouve que c'est pas beaucoup, mal. Beaucoup, surtout dans le pressing. Faute d'Anderson Banvo sur Pinto Borges. Dans le pressing, on arrive facilement à étouffer les attaquants Martego. Et d'ailleurs, je me demande si, à la vue de la première mi-temps, ils cherchent les trois points. Je pense qu'ils ont dû apprendre le score du côté de Louan Cuiseau.
parce que c'est très compact derrière. Parce que Louan Cuiseau mène 2-0 face à Lyon, si vous nous rejoignez, et donc reprend la tête du championnat au FCA. Et Annecy, donc, 45 minutes à partir de maintenant, si on compte qu'on aura minimum 2 minutes de temps additionnel, pour aller reprendre son fauteuil de leader acquis la semaine dernière grâce à la victoire de Marignane sur Louan Cuiseau, justement. Attention à ce bon enchaînement là de Poulain, qui a du mal à se frayer un espace, et il est hors jeu. Jean-Jacques Rocky. Ouais, l'ancien Bastien, Jean-Jacques Rocky, qui est passé à Dunkerque aussi, me semble-t-il. Alors qu'il y a eu un peu de mouvement sur les autres terrains, Sylvain. Ouais, Fréjus Saint-Raphaël qui a ouvert le score face à la réserve de Nîmes. Moulin-Huzer qui a ouvert aussi le score face au Marseillais d'Andoum. L'US Andoum catalan. Il y a de très grandes chances qu'on connaisse un certain changement du côté d'Andoum en cas de défaite ce soir. Ouais, c'est pas. Parce que la saison post-Grégory Poirier est un peu compliquée pour les Catalans. Je vous ai coupé quand tu veux. Ouais, non, mais. Enfin, je t'ai coupé. Effectivement, c'est pas terrible du côté d'Andoum qui, la saison dernière, avait fait. Une saison honorable, 6ème. Exactement, ouais, même plus qu'honorable. Puisqu'ils montaient de National 3, et là, cette année, ils ont beaucoup plus de difficultés. Tu l'as dit, Idriss, avec le départ de leur entraîneur vers le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Non, ça, c'était Lassa Dasnier avec Gemenos. Ah oui, oui. Poirier est devenu entraîneur de Saint-Malo. Oui, ouais. En N2B. L'US Saint-Malo. En N2B. Oui, non, j'ai confondu. C'est pas grave. Alors que Saint-Priest mène 2-1 face à l'Olympique de Marseille, qui était venu recoller au score. Oui, alors et pour Marignane Gignac, c'est à égalité avec Jura Sud. C'est pas terrible non plus pour la réserve de l'OM, qui se rapproche dangereusement de la zone rouge. C'est bien, on a 3 clubs de Provençal-Côte d'Azur dans les 4 derniers de la poule. Alors que là, Garbi monte le ballon avec Poulain en haut de la surface. Et la tête de Poulain, elle est peut-être là la meilleure occasion aux Savoyards depuis le début du match. Sans doute. Parce qu'ils ont très peu frappé au but, les hauts Savoyards. Bah, en général, déjà dans le match, il y a eu très peu de frappes au but. C'est ça, déjà. Et je crois qu'il y en a eu qu'une en plus pour Annecy. Et les joueurs d'Annecy ont été très très peu dans la surface de réparation Martégal. Mais je pense qu'à la mi-temps, ils ont dû apprendre ce qui se passait à Louan-Cuiseau. Donc victoire impérative pour... Enfin, impérative, non, on est qu'à la 11e journée, mais la victoire est requise. Là, alors que faute, Saint-Priest... Non, il n'y a pas faute, dit l'arbitre, mais quand même, il y a un accrochage sur l'attaquant de Martigues. On vient de mettre à jour le score du côté de Saint-Priest. 4-1, la réserve qui prend l'eau. Oui. La réserve de l'homme qui prend l'eau, alors que ce bon ballon pour Mehdi Kadi, la bonne sortie de Melvin Adrien. Le gardien international malgache. Melvin Adrien, quart de finaliste de la dernière CAN, on le répétera à chaque fois s'il le faut. Ouais, c'est belle performance de l'équipe malgache. Éliminé par la Tunisie de Wahbi Khazri et d'Aymen Abdennour. Oui, on l'a oublié. Ouais, bon mouvement là de Samir Belhoumou pour emmener le ballon vers l'avant avec Fouad Kadir qui s'emmène au corps. La charge de Pinto Borges. Ouais, le ballon qui reste dans les 20 mètres d'Annecy avec le bon centre de Famban, on s'est contré. Ouais, je comprends pas trop la décision de l'arbitre de laisser jouer. Ou ah oui, non, parce que autant la technique de Kadir a parlé, autant la charge derrière c'est juste insupportable. Je pense qu'il ira voir Pinto Borges au prochain arrêt de jeu. Du moins s'il le juge nécessaire. La frappe lointaine de Noé Cabezas qui a tenté de tromper Melvin Adrien, qui était un peu avancé. On ne sert à rien. Long ballon de Samir Belhoumou. C'était intéressant cet appel de Joey Diarra. Ballon revient sur Famba côté droit. Ouais, bien joué là, Kevin Famba. Ah, c'est compliqué. Ah, il vient s'empaler là sur la défense d'Annecy. Il aurait dû lâcher son ballon beaucoup plus tôt. Ou centrer. Alors que Chapuis dégage loin devant et ça serait une touche. Ouais, l'arbitre qui cherche Pinto Borges, il l'a trouvé. Voilà. Ouais, je pense que ça sera un simple avertissement verbal. Oh, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Voilà. On attend Fouad Kadir. Voilà, c'est un simple avertissement verbal. Ouais, ça va, ça se passe. C'était dans. Même s'il arrive un peu fort, c'est dans l'esprit du jeu quand même. Ouais, mais si on protégeait des joueurs comme Kadir qui sont très techniques,
qui bon voilà ça, sans faire le sans dire, être chauvin on va dire que ça se passe dans un bon esprit et que l'arbitre oui. veut pas envenimer le match. Mauvaise, mauvaise gestion justement de Fouad Kadir sur ce ballon. Il suffit de dire qu'il est technique pour qu'il perde le ballon, ça c'est normal. Alors que du côté Martégal, on a envoyé trois joueurs à l'échauffement, du côté Anicien aussi. Cabeza. Ouais, là, ouais, bon ballon de Cabeza, ouais. C'était pour Rocky malheureusement. Mauvaise transmission, mais une belle opportunité pour Annecy. Le ballon qui a filé vers Famba, ouais. Ce bel appel de Rocky, s'il avait pu être servi dans les pieds, aurait pu être très dangereux cette mauvaise passe de Willward qui s'endort un peu. Mais qui se rattrape derrière avec le Parmentier. Diarado au but, la passe est manquée pour Banvo. Ça commence à faire beaucoup de passes manquées alors que Banvo. Djawi Diarra vient récupérer ce ballon dans les pieds de chez Goncalves. Pardon, la frappe de Malonga, c'est compliqué. La frappe du gauche de Chris Malonga. Alors qu'il y avait un bon décalage à gauche pour Martigues. Avec Chris Malonga, on le rappelle, formé au Paris Saint-Germain. Passé par Nancy, passé par la Turquie. Monaco. Monaco également. En D2, en Ligue 2. Ouais. Pendant les deux saisons que l'AS Monaco a passé en Ligue 2. Et qui, comme tout le monde, vient finir dans le meilleur championnat du monde. Ouais, Chris Malonga, beaucoup gêné par les blessures hein, pour, pendant sa carrière. Ouais, il a joué dans les équipes de France de jeunes. Oui. Donc c'est pas un grand espoir non plus, mais c'est un honnête footballeur qui un a vu... Un footballeur qui a payé la carrière qu'il méritait. Non, non, ça c'est sûr. Bellomou. Bello avec Vilvert. Parmentier, Vilvert. Kadir. Et là c'est là, on est sur une bonne phase de jeu, mais voilà. Encore une fois, il suffit de le dire pour que Djawi Diarra manque sa passe. Voilà, se mêle vers l'avant de Malonga. Ah oui, il y a faute. Sur ouais, ouais, mais il dit qu'il a le ballon, Malonga, mais bon, il y a quand même une faute pour l'avoir, il a fait faute. Il vient un match compliqué, hein. Poulain devant. Et beaucoup bougé par Bello, qui est beaucoup plus costaud que lui. Il a du mal à garder le ballon. Ah bah, les deux équipes, tout simplement, ont beaucoup de mal sur la dernière passe. Si, et l'avant, avant-dernière passe. Donc c'est, ça, c'est très compliqué. Alors que là, il y a un très bon décalage justement de Poulain pour un centre de Marie. Mais c'est contré et dégagé. Pinto Borges tente de le remettre dans la surface. C'est encore raté. Bellomou qui sort ce ballon. Ah, l'excellent magnifique. Contrôle du gauche hop, de Kadir. Hop, 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 mais hop. Excellente récupération de Pinto Borges. Kadir, faute de Bellomou. L'arbitre est juste devant. Faute de Bellomou sur Mehdi Kadir. Ouais, alors qu'on Kadir qui avait le pied en porte-manteau. Alors qu'on fait un dernier point sur l'affluence qui semble être définitive. Comme d'habitude, peu importe la température ou l'affiche, le stade est plutôt rempli. Ouais, une chambrée de, j'irais, 200 personnes. Moi, je dirais un peu plus, mais ouais, ça peut-être, a la louche peut-être, peut-être, peut-être. Ça a la louche à l'eau, mais en tout cas, c'est plutôt rempli. Ça fait plaisir à voir. C'est juste dommage pour nos images à nous qu'on oui. soit dans la même tribune, du coup, parce que la tribune en face est vide, hormis le meilleur groupe de supporters du meilleur championnat du les monde. Les Supra Maritima. La dédicace à Thibaut Lino. Le bon ballon de Caddy. C'est bien tiré, malheureusement personne n'a la retombée. Encore devant. Attention. Le Parmentier. Ouais. Oula, oh. Le coup de tête de Goncalves sur le Parmentier, ça joue le ballon. Non, ça va. Le jeu, le match se passe plutôt très très bien par rapport à la semaine dernière. Oui. À vendredi dernier, pardon. Entre Louan Cuiseau et Marignane. Franchement, les deux équipes sont là pour jouer au foot, même si elles n'y arrivent pas pour l'instant. Mais voilà, ça joue dans un bel état d'esprit. Bonne défense de Goncalves qui est parti mettre deux coups de boule aux deux extrémités du terrain. Djawi Diarra, Kadir, c'est bien transmis, le Parmentier. Ah, voilà, enfin une belle phase de jeu, même si elle finit dans l'angle central. Bello qui peut écarter sur Famba, oulala, c'est parce qu'il oblige Famba à reculer. Et mais les amis. Ouais, quelle défense ah ouais, le pressing, ce bloc et le pressing qui est très bien organisé ouais, par Annecy, c'est... ça coulisse extrêmement bien et extrêmement intelligemment, même si ça fait deux adverbes. Intro. C'est très intelligent, voilà, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Kimundu, encore obligé de recentrer pour toucher le ballon. Non, mais c'est très compact, les deux lignes de 4 là sont très compactes du côté d'Annecy. Franchement, ce pressing est mené de main de maître par Pinto Borges et Fillon milieu de terrain qui guide tout le monde. Encore une passe manquée pour Famba.
Ce serait plutôt, même si au niveau comptable, au niveau du classement, Annecy ferait la mauvaise opération des 4 premiers, vu que tout le monde gagne sauf eux pour l'instant. Mais mine de rien, c'est Annecy qui joue la plus grosse affiche, parce que Annecy joue Martigues le 5ème. Oui, on vous a pas proposé ce match par hasard. On s'est pas dit, tiens, on va aller prendre le frais à Martigues. Voilà, hein, donc Annecy, si Annecy repartait avec le point du match nul, ce serait dans la route globale un bon point de prix. Et puis Annecy est un candidat sérieux à la montée en national. Bah, c'est tout début de saison, on disait que c'était le favori. Exactement, puisque l'an dernier, ils avaient échoué de peu. Ils avaient été leaders une bonne partie de la saison. Oh, le bon ballon de Belloumou, et ça traîne, oh la faute. Et il y a peut-être le carton aussi, non? Carton jaune. Rouge, donc, j'espère. Rouge, ça serait dur. Non, voilà, jaune il n'était pas dernier dur, défenseur. Le rouge, ce serait dur. Mais le public... Le public réclame beaucoup, toujours plus que ce qu'il a déjà. Ouais, il était peut-être en position de dernier défenseur. Attention Sylvain, d'après les nouvelles règles, c'est pas la question du dernier défenseur, c'est si le joueur a le contrôle du ballon, s'il anéantit la phase de but. Bah, pas complètement, puisque le ballon, on aurait pu penser que Banvo n'avait pas le contrôle du ballon au moment. Ouais, bon, je suis pas arbitre, mais... Ah, est-ce que si notre référent arbitre traditionnel chez Chronos, Clément Corso, nous regarde, s'il pouvait nous indiquer dans les commentaires, même si je pense que là, il a un peu de travail ce soir, sans vous dévoiler sa vie. Non, il est pas là. Alors que ça sera un excellent coup franc pour le FCM. Et pour Fouad Kadir. Et pour le tireur de coup franc en chef, Fouad Kadir, qui a marqué 4 coups francs sur la saison dernière, 4 buts sur coup franc direct. Notamment un somptueux contre l'Olympique de Marseille. Et somptueux à 30 mètres, côté gauche, pleine lucarne de Florian Escalès, qui a dû s'en aller à Laval pour l'oublier. Et on est un peu dans les mêmes... Là, c'est compliqué parce que c'est très près. C'est très près, donc il faut la faire passer au-dessus du mur, la faire retomber, c'est très compliqué. En plus, le mur d'Annecy, c'est pas comme si ils avaient mis Rocky et Cabezas dedans, ils ont mis de la taille. Avec Pinto Borges, Chapuis, Acadi, il me semble, et le quatrième que j'arrive pas encore à identifier, mais en tout cas, il y a de la taille. On va voir quelle décision sera prise. Il aurait pu avoir le pied gauche de Kimundu. Mais non. Qu'est-ce qu'il demande? Visiblement, Kadir, selon Kadir, le mur est pas à 9 mètres. Et c'est vrai que à mon œil aussi, il n'a pas l'air d'être à 9 mètres. Ouais, ça va être compliqué, bon, la porte l'arbitre est même. Plus près que nous du terrain. C'est frappé à ras de terre. Mais ça finit dans les bras de Pérez. Bien tenté quand même de la part. C'est malin. Ouais. C'est vrai qu'au-dessus, c'est compliqué. Alors que là, Pérez manque complètement son dégagement. Mais pas trop d'incidence pour l'instant. Malonga. Faute de Caddy. Ah non, faute de Malonga. Alors qu'on prépare un changement côté Annecy. Avec l'entrée d'Eloge Nzaïam ici. Et aussi du côté de Martigues. Et pour l'entrée de Martigues, ça sera Adama Diakité, me semble. Non, ça sera Ibrahim Fofana. Alors que Noé Cabezas laisse sa place à Eloge Nzaïam ici. Double changement même du côté de Martigues. Deux changements d'un coup, avec deux changements offensifs. On sent que ça va pas devant. Ça sera Ibrahim Madji et Ibrahim Fofana qui vont entrer. Un attaquant de pointe et un ailier. Avec la sortie de Samir Belloumou pour le FCM et de Chris Malonga. Oh ouais, on va changer complètement de système. Enfin, il me semble. Non, on va jouer avec Kimundu et Kadir en milieu. Madi et Diarra sur les côtés. Fofana et Malonga devant. Fofana et Banvo devant. Ouais, 4-4 de losange, quoi. Avec Kadir un peu plus haut que Kimundu. Kimundu qui, on le rappelle encore une fois, est un meneur de jeu. Non. Un milieu récupérateur de formation et qui, grâce à sa technique et son pied gauche, peut jouer à plusieurs positions sur le terrain, que ce soit latéral gauche, ailier gauche comme aujourd'hui. Même à ses heures perdues, lorsqu'il joue avec la réserve, il arrive de jouer devant. Voilà, bon dribble là de Garbi. Et c'est dégagé. Oh, le passe pas sorti. Pour le premier ballon d'Ibrahim Madi. Qui va gagner la touche. Bon, c'est Ibrahim Fofana.
Attention, c'est perdu. Rocky, Nzem ici. C'est bien joué, le bon ballon de Loge Nzem ici. Pour Rocky qui peut s'appliquer, il est bon ce centre, la tête de Kadi. Oh, elle est partie frôler le poteau. Elle a touché le poteau à mon avis. Hein. De Melvin Adrien, il me semble aussi. L'extérieur du poteau. L'excellent centre de Jean-Jacques Rocky. Et la tête pas très forte, mais très très bien placée. Et en tant que gardien, je peux vous dire que ce sont les têtes que l'on redoute le plus parce qu'à contre-pied comme ça, très lente, ah oui, on a très difficile de récupérer ses appuis. Exactement, surtout que le terrain est un peu gras. Et même si la pelouse ouais, est grave, mais par contre la pelouse est en très bon état par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ici. Oui. Alors qu'on peut déjà vous annoncer, on en parlait pendant la mi-temps, le programme des prochaines semaines sur Chronos. La semaine prochaine, on retourne du côté du Technosport de Lumini. À 20h pour le derby de National 2A de basket entre le SMUC et Aix-Venel. Et la semaine qui suit, on en a déjà parlé la semaine dernière, on aura une double programmation avec vendredi soir le match entre Marignane Gignac et l'Olympique Lyonnais. Et le lendemain, en direct de l'OM Campus, la réserve de l'Olympique de Marseille recevra Louan Cuiseau. Voilà, je suis en train de chercher l'affiche. Mais faute ouais, là aussi, non ouais, quand même. Faute de Anderson Bongo. Faute de l'attaquant Martégal, oui. Qui retient un peu Fillon sur cette action. Donc ouais. Voilà, vous avez le programme. Chacun sa vision des choses. SMUC Venel la semaine prochaine, Marignane Lyon vendredi d'après. Et le lendemain, OM Louan Cuiseau. Et on est en train de voir ce qu'on peut vous réserver pour dans 3 semaines. Alors que bonne récupération d'Ibrahim Madji là, qui vient chercher le ballon dans les pieds de Lojenzaim ici. Moment total régal pour Ibrahim Madji. Sauf que là, ils sont toujours en grosse infériorité numérique, les Martégos. Et l'excellente défense de Garbi. Mauvaise passe d'Elogenzaïm ici, qui doit rentrer dans son match. L'ancien Valenciennois. Kadi, oh là, la charge de Fofana, pas de faute, d'après monsieur l'arbitre. Kadi qui peut décaler Jawai Jara dans la position qu'il préfère. Jawai Jara qui va mettre le ballon dans la boîte, mais c'était perdu d'avance. Compliqué cette passe là. Il a levé. Kadi qui ressort excellemment bien ce ballon avec Poulain et qui va s'enfermer à droite alors que le jeu est à gauche. Obligé de revenir derrière. Marin, bien joué ça. Pinto Borges, le contrôle est manqué. Oh là, superbe slalom d'Ibrahim Fofana qui est rentré dans son match. L'attaquant Villeverte. Contrôle, ouais. Ibrahim Fofana qui à mon avis est un peu énervé d'être sur le banc visiblement. Qui veut montrer à son coach qu'il méritait sa place. Alors qu'Eric Schell demande à son équipe de mettre un peu plus de rythme. Ouais, Eric Schell qui Oula, fait des grands moulinets avec les bras. Il reste 25 minutes dans ce match, on est à la 66e. Toujours 0-0 si vous venez de nous rejoindre. Et c'est Annecy qui se procure les deux meilleures occasions du match pour le moment. Ouh là là, cette relance de Marin. Ce dégagement de la cuisse. Du genou. Un dégagement du genou. Avec Annecy qui oblige Melvin Adrien à une belle parade sur le côté gauche. Et ensuite, la tête de Mehdi Kadi qui va mourir sur le poteau droit du gardien malgache. Long ballon encore pour Poulain. C'est pas facile du tout. Alors je vous avoue que j'essaye de comprendre ce que dit Eric Schell depuis le banc de touche, mais c'est assez compliqué d'ici. Moi, je pense qu'il demande à d'écarter au maximum sur les côtés. Et je sais pas, c'est comme si c'était c'était très audible aussi. Ouais, ils se sont pas compris. Jerry Jara et le Parmentier. Et on joue vite avec Poulain. Gêné par Wilver, pas de faute. Bien joué avec Garbi. Qui essaye d'éliminer Jara, il gagne son duel. Oh, le petit piqué, c'est bien joué. C'est bien joué ça. Pour Kadi, mais il n'y a pas grand monde dans la surface, il suffit d'un. Ah, ça retombe, la frappe. Ah non. De Garbi, pénalty, voilà, j'attendais de voir la décision de l'arbitre. Mais il a jugé que Famba fait faute sur Garbi alors qu'on appelle vite les soigneurs. Ça a l'air d'être. Ça a l'air de faire mal là pour Garbi. Et l'arbitre a attendu la fin de l'action, mais il a pas hésité en tout cas. Ouais, il me semble qu'il allait un peu. Il était un petit peu en retard, le Parmentier.
Alors malheureusement, on n'a pas prévu de vous mettre les ralentis aujourd'hui parce qu'on n'a pas la même machine que d'habitude. Mais nous, on va voir. Enfin, en tout cas, vous pouvez faire comme nous en fait. Et aller jeter un œil sur le player du live. Vous faites avec le petit moulinet du 10 secondes et vous regardez. Alors on va jeter un coup d'œil. Ouais, ça se siffle. Ça se siffle. Ouais, c'est vrai que le tacle. Le tacle n'est pas très maîtrisé. Au moment de la frappe. Il est un peu en retard. Ça se siffle décemment. Il n'y a pas de scandale. Ce qui explique peut-être que le ballon soit parti derrière la tribune du stade Francis Turcan. Bon, nous, ça va, on est garé de l'autre côté. Mais c'est vrai que les voitures, pas très loin du stade. Ouais, ça discute beaucoup là quand même entre les Martego et les joueurs d'Annecy. Alors il n'y a pas de ballon pour tirer pénalty, donc on en fait rentrer un sur le terrain. Alors que on attend. Allez, c'est Chapuis qui s'est saisi du ballon. Ouais. Face à Melvin Adrien. Allez, la semaine dernière, c'est Grasse qui avait eu un penalty qui avait été stoppé par Simon Gapandouet-Nbou. Est-ce que Melvin Adrien peut imiter son homologue marseillais? Maxence Chapuis face à Melvin Adrien, l'arbitre prévient tout le monde, coup de sifflet, et c'est à côté. C'est manqué par Maxence Chapuis, tout Turcan qui se lève. Martigues résiste. Et là, Chapuis, il avait l'occasion de faire recoller son équipe au haut du classement. Ah, il s'en veut. Ouais, il s'en veut beaucoup, il s'en là. Veut, il regarde le ciel alors que Garbi et le Parmentier ont repris place sur le terrain. Et voilà, et ce match va peut-être s'accélérer un peu. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Oui, la température est montée de quelques degrés, oui. Alors que sur les autres terrains, ça n'a pas bougé des masses. Jura Sud mène. Alors que ouais, sur les bancs, ça s'excite un peu. Mais bon, allez, c'est tout de suite calmé. Contre-attaque pour Martigues avec Kadir. Alors, je vous disais, sur les autres terrains, tout est en défaveur d'Annecy pour l'instant. Moulin-Izer mène 1-0. Grasse mène 1-0. Louan-Cuiseau mène 3-0 face à Lyon. Donc Annecy est en train de perdre du terrain. Mais à l'heure où je vous parle, son leader, certes, mais à égalité avec Long Cuiseau et Grasse, avec 22 points. Alors que le carton de la semaine était pour Saint-Priest, ouais. Qui mène 4-1 face à l'OM pour l'instant. Ah, il faut y aller là. Ouais, long dégagement de Famba. Attention pour Maxence Chapuis, parce qu'il va vite, Anderson Banvo. Et pas de faute, non, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de faute. Ouais, ça va réclamer beaucoup là maintenant. Au moins, ça a réveillé un peu Turcan. Et ça, il semble aussi que ça a réveillé les joueurs. Il y a un peu plus d'engagement. Pas de faute de Wilvert. Bien joué le Parmentier. Voilà, avec Belloumou, Kimundu, ça circule bien. Non, pas Belloumou, Kadir, Belloumou est sorti. Donc voilà, justement, Fouette Kadir qui peut aller vers l'avant. Joey Jara. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué pour Jaoui Jara, seul face à trois noirs. Mais excellente défense de Garbi. Poulain. Marie, pardon. Garbi, c'est à gauche. Garbi siffle un tirage de maillot. Ah, si vous le rejoignez, toujours 0-0 entre le FC Annecy et le FC Martigues. Et Maxence Chapuis qui demande à ses joueurs de ne pas trop reculer. Le centre de Kadir, c'est sorti de la tête. Et ça retombe sur Elogène Zayam ici, qui en est à son 8e ballon perdu, je crois, environ, depuis son entrée en jeu. On a peut-être qu'il se mette dedans. C'est vrai qu'il a fait une bonne passe pour Jean-Jacques Rocky
pour un de ses premiers ballons, un bon décalage. Mais sinon, depuis, c'est compliqué. Kimundu. Ça passe par-dessus pour trouver Ibrahim Madji, ça va être compliqué, mais il va vite. Il s'en sort, mais pour qui? Pour personne. Il manque de soutien, là. Ouais, Famba qui a l'air un peu fatigué. Est-ce qu'il va la sauver encore? Encore une fois, il s'est donné, là. Ibrahim Madji, qui applaudit par une partie de la tribune. Lui aussi, comme Ibrahim Fofana, il a envie de prouver que sa place n'est pas sur le banc. Le voilà justement, Ibrahim Fofana. Ah, pourquoi pas, mais pourquoi pas, mais pourquoi ouais, il a ignoré l'appel de son partenaire et son excuse, ouais, d'ailleurs. C'est un peu compliqué aussi à servir. Banvo, qui est un droitier pur. Elle est servie entre trois joueurs d'Annecy. Ouh là, le tampon. Le gros tampon. Ah oui. Le gros tampon de Banvo. Ah, c'est pas une grosse faute, il n'y a pas de carton à l'appui, mais quand même. Ouais. Il a un peu son égon calvé sur ce coup. Ouais, puis tampon au niveau de la poitrine et de la gorge. Je veux juste mettre l'épaule en avant pour prendre le dessus et que Goncalves va plus vite. Ça arrive. Mais c'est vrai qu'à l'image, c'est particulier sur Banvo. Je sais pas trop comment ça rend à la maison, mais je peux vous dire que c'est une belle bête. Anderson Banvo, c'est 1m88, c'est pas loin des 80 kg. Et pour avoir été intime avec le vestiaire du FC Martigues à une époque pas si lointaine, oula, je peux vous dire que c'est assez sec, physiquement parlant. Donc c'est que du muscle. Bien joué de la part de Pinto Borges. Fillon, Nzayam ici en position de meneur de jeu. Je craignais le pire. Hein. Non, votre intimité du vestiaire. J'ai pas encore parlé de Massiré Kanté. qui fait le bonheur de Drancy en National 2. National 2A. Ce qui est devenu la National 2A, la National 2 Nord-Est parisienne. Enfin, Grand Nord, Nord-Est et Paris. Attention, centre de Garbi. Il est seul encore Caddy. Mais Wilvert fait filer ce ballon au deuxième poteau. Kadir. Oula, Pinto Borges, pas de faute, bien évidemment. Ça se joue à l'épaule. Et Kadir, il s'en sort bien, Pinto Kadir Borges. Kadir qui vient de se venger. Kadir qui se relève. Et qui, allez, voilà. Et qui obtient une faute de Marie. Allez, ce match est en train de s'animer un peu. Tant que ça reste là, ça va. Enfin, tant que ça reste dans ses alors, contacts comme ça, ça va. Il va y avoir un jaune là. Ouais, jaune pour Marie. Ouais, en sens, c'est la faute, la petite obstruction pour casser la contre-attaque, c'est normal. Ça se chauffe aussi sur le banc. Ça se chauffe sur le banc depuis le penalty. Pas très content les entraîneurs, le banc d'Annecy. Et Edith Aboubi, l'adjoint d'Eric Schell. Mais bon, rien de bien méchant encore une fois. On vous dit que ça s'anime pour vous dire un peu ce qui se passe. Mais vraiment, c'est gentillet. Ouais, Kadir qui a mis quand même un bon tampon. Hein. Il y est allé franco. Il était lancé pour la contre-attaque et Marie s'est arrêté de courir, donc normal qu'il souffre un peu. Ouais, moi je suis supporter d'Annecy, le mec il vient de se prendre une béquille, il se prend un jaune dans la foulée, oui. Bon. Ouais, ok, certes. Allez, Thomas Wilvert qui va jouer ce coup franc. Rocky. Allez, au-dessus pour trouver Garbi. Ouais, le contrôle est manqué. Le ballon est trop rendu sur la main. L'arbitre une petite mimine, ouais. Rien de bien méchant. Wilvert. Ouais, attention, cette passe de Wilvert, c'est pas un cadeau pour Kibundu, mais il s'en sort bien. Fofana. Alors Fofana, il chaloupe bien, mais il faut qu'il chaloupe vers l'avant. Ça serait mieux. Alors que dernier changement pour le FCM va être effectué. Un joueur vient d'être appelé sur le banc. Et ce joueur, ne sera pas Nadjim Abdou. L'homme aux 800 matchs
en championnat anglais, que ce soit en D2 ou en D1, en première ligue ou en championship. Ça, c'est mon côté fan est un peu déçu, parce que j'aime beaucoup ce joueur. Très beau joueur à voir, très classe, mais bon, 38 ans quand même. Ouais, peu importe. Ouais, il a encore du ballon dans les pieds, mais bon. Jean-Charles Bello, il reste sur 3 matchs consécutifs où il est excellent. Il va y avoir buteur lors du dernier. Il va y avoir un changement aussi du côté d'Annecy. Donc ça se comprend aussi, le Parmentier qui passe devant Caddy. C'est donc Christopher Desmartins qui va entrer en jeu. Ouf. Du côté du FCM, ça sera Damadja Kité. Ouais, dégagement là de la défense d'Annecy, elle va comme je te pousse. Ancien attaquant du Racing Club de Lens et de Wascal. Damadja Kité. Alors, premier changement, ça va être pour Annecy, ça va être la sortie de Jean-Jacques Rocky, qui va laisser son brassard à Goncalves. Alors pour le FCM, est-ce que ça sera Bonvo? Est-ce que ça sera un milieu de terrain, un attaquant? On verra. Visiblement, Jawed Jara se rapproche du banc. Est-ce qu'il a des infos? Non. Ouais, ce sera Jawed Jara. Allez, changement de poste pour poste. Pour le FCM. Diakité, il a un quart d'heure. Hein, un quart d'heure pour faire la différence. C'est peu. Alors, Adama Diakité, vous le voyez sur les belles images de Farid Bendadou. Le Parmentier. Oula, Kimundu. Il y a beaucoup de joueurs dans l'horizontalité côté FCM, mais peu dans la verticalité. Ça veut dire qu'on est très étendu, mais il n'y a personne entre les lignes pour. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut étirer ce bloc au Savoyard. Et là, cette passe de Kadir, elle peut le permettre. On peut trouver Fofana. Oh là là, Fofana qui s'est fait plaisir sur Garbi. M'arrive encore une fois. Désolé. Mais le deuxième rideau. Ça va rentrer. Oui, à la 90e, ça va rentrer. Aucun souci. Demain, pour la prochaine fois qu'on diffuse Annecy, ça sera dedans. Et Goncalves qui dégage ce ballon en tribune. Allez, le FCM qui peut essayer de camper dans le camp annecyen. Allez, un bon centre Montier là. Qui met le ballon dans la boîte. Et il y a des joueurs de tête. Et c'est contré par une tête au Savoyard, si je me trompe, non? Non, 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 ça va être okay, un 6 mètres. Mais à coup de pas, les arbitres sont mieux placés que moi. Ça repart pour le FC Annecy. Alors que bonne nouvelle pour le FC Annecy, Andou vient d'égaliser face à Moulinzer. Et donc ça fait un des trois concurrents qui perd des points aussi. Et ça, pour Martigues bon aussi, c'est une mauvaise opération puisque Chasselet s'est définitivement imposé 2-0 face à l'AS Monaco. Et donc le FCM perd une place au profit des Rhône-Alpins. Bello avec Famba. Un jour il faudra qu'on tienne les comptes, Sylvain. Je crois que depuis qu'on a créé Chronos avec nos petites mains, le stade Francis Turcan est le stade qui a vu le plus de 0-0 diffusé sur Chronos, je pense. C'est pas faux. Bon, allez, on a encore 10 minutes, hein, mais c'est vrai que. Alors, c'est rarement des 0-0 complètement pourris. Parce qu'il y a toujours. Moi, j'allais ponctuer sur un. Pour ceux qui s'en souviennent, pour les vrais suiveurs du FCM et de Chronos, un superbe Martigues Mondor-Azergues de fin décembre, ici, il y a un an. Bah, je crois que c'est particulièrement soporifique. Mais bon, là, c'est loin d'être un match soporifique, mais c'est juste un match stérile. Le centre de Fofana est manqué. Ah, il y a un peu plus de folie, là, depuis ce pénalty raté. Avec Kadir à 20 mètres, il peut frapper et ça passe à côté. Mais pourquoi pas. Pas suffisamment enroulé. Pourquoi pas, Turcan salue l'effort. Et salue l'initiative. Après. Sur les autres terrains, toujours 4-1 pour Saint-Priest. Louan Cuso, toujours 3-0. Jura Sud mène 2-1 face à Marignane. Fréjus mène 1-0 face à Nîmes, qui est définitivement la lanterne rouge de ce championnat. Comme on l'a dit, Moulin-Izer est tenu en échec pour l'instant face à Andoum. Grasse mène toujours 1-0 face à Hier. Long dégagement. C'est le National 2. De Julien Pérez. Banvo, le bon contrôle de Banvo. Oh, qui tente le lob. Ah, c'est. Pourquoi pas.
Ça pourrait être la devise de ce match, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, après, il faut ajuster son tir. Mais il avait prévu. Il avait prévu parce qu'il a tenté sans même vraiment trop regarder. Ça fait une tentative de lob lointain par équipe. Goncalves, Desmartin. Il n'y a rien. Ouais, il réclamait la main parce que c'est Léo Dubras qui a contré ce ballon. Pinto Borges. C'est contré. Non, Léo Dubois, c'est demain pour l'Olympico. Léo Dubras, Léo Dubois. Ah oui. Oui, demain, gros match hein, en Ligue 1. Ouais, mais c'est sur Canal, faut payer, ça sert à rien. Ouais. Chronos n'en est pas encore là. Non, et puis de toute façon, c'est pas le but hein, de vous faire payer les matchs. Ah non, non, pas de faire payer les matchs, je parlais de diffuser la Ligue 1. Ah non plus, non plus, non plus. Non plus. Non plus. Non, nous, on aime voir notre voisin jouer. Et ceux qui sont sur le terrain, c'est votre voisin. Hello, c'est vous, c'est nous. Pas de stars qui ont le melon. Des ouvriers du ballon, c'est ça qu'on vous montre chaque semaine sur Chronos. Et c'est ce qu'on aime. Alors pour l'instant, c'est pas des stars, mais c'est des futurs stars. Mais la réserve de l'OM est en train de prendre complètement le bouillon à Saint-Priest. 5 buts à 1. C'est bien ce que je disais. Là, ça, c'est bien joué. Fofana. Ah, la pelle encore qui est pas servie. Ouais, c'est bien joué. Kadir, à 20 mètres. Ah, il va décaler Madji, c'est intelligent. Deuxième poteau, non, le centre est manqué. Ah, le centre est mauvais. Hein. Le centre est complètement manqué, et là, ça revient pas. Et si Annecy peut se... Et ça va être compliqué quand même pour Annecy, là, 3 contre 6. Ouais, Fofana qui essaie de faire faute pour casser la contre-attaque. De toute façon, Poulain rend le ballon à la charnière centrale. Avec Goncalves, plus que 5 minutes dans le temps réglementaire. On va vous tenir informé du classement au coup de sifflet final. On le rappelle, si vous nous rejoignez seulement aujourd'hui, maintenant, 0-0 entre Martigues et Annecy, comme vous le voyez dans le petit synthé en haut de l'écran. Avant le coup d'envoi, c'était le leader qui recevait le cinquième au coup de sifflet final. Voilà, ça avait de grandes chances d'être le troisième qui recevait, se déplaçait chez le sixième. Toute la folie du meilleur championnat du monde qui n'a toujours pas de leader incontesté comme on a pu l'avoir ces 2-3 dernières saisons avec Marignane, avec Toulon, avec Martigues. Ouais, c'est faute. Là, c'est très haché hein, cette fin de match. Beaucoup de sifflets, de coups de sifflet de l'arbitre. Du coup, ça casse un peu le rythme aussi. La faute Kadir qui prend encore des consignes d'Eric Schell. Bon vous. Contre-roule à 3 mètres, mais il s'en sort pas mal. Bon vous. Ah, ils ont l'air un peu fatigués aussi, Léo Savoyard. Ah, ils ont donné un bon pressing, beaucoup donné défensivement parlant. Ils ont énormément donné, ça se comprend. Madji. Tentative de Tipon, bonne défense de Fillon. Et l'éloge Enzaïm ici qui va vers l'avant. Et là, ouais, c'est Fillon. Pour Annecy, c'est dur de se projeter. Oh, si ça passait. Ouais, l'arbitre. On le rappelle avec les nouvelles règles, une fois que l'arbitre est touché, on rend le ballon à l'équipe qui a fait la passe en question. C'est donc une remise en jeu pour Annecy. C'est vrai que si on est un peu filou, ça peut être une stratégie de gagner un peu de terrain pour Annecy. Ouais, puis d'avoir un coup de pied arrêté, de faire monter son attaque, ses joueurs. Mais bon, je pense pas qu'il y avait de la filouterie là, de la part du joueur d'Annecy. Non, pas, c'est juste mon cerveau. C'est le hasard. Je parle juste en cas de... Si jamais l'occasion venait à se présenter, ça pourrait être une possibilité. Faute de Desmartin sur Villeverte. Et Eric Schell qui demande à ses joueurs un ultime effort là. Alors qu'on joue la 42e minute. Villeverte, ça repart de derrière pour Martigues. Long ballon pour la tête d'un joueur d'Annecy. Ah, c'est bien joué. Et là il y a une situation pour le FCM avec Diakité. Banvo, il a croqué. Ah, Banvo. Il y avait Fofana qui était tout seul derrière lui. Ah, il a croqué. Pas vu. Ouais, il a croqué la Banvo. Oh, surtout pour l'envoyer en tribune nord comme ça.
Alors que une bonne nouvelle, c'était il y a 5 minutes. Maintenant, mauvaise nouvelle, Moulin-Izer vient de reprendre l'avantage face à Doom. Et donc, Annecy est le grand perdant pour l'instant. Et mauvaise pas nouvelle le grand perdant, c'est un grand mot. Hein, c'est... Mauvaise nouvelle aussi pour nos amis Andoumois. Ouais, qui s'enfonce encore. Qui n'arrive pas à sortir de cette zone de relégation. Pour, vous, pour ceux qui veulent aller voir, hein, le classement est un peu disponible partout. On vous l'a proposé en début de match. Mais il y a entre l'avant-dernier et le 8ème, il y a seulement 4 points. Entre Monaco, Andoum, l'OM, Saint-Priest, la réserve de Lyon, hier, Marignan, Gignac et Jura Sud, il n'y a que 4 points. Et devant, entre MDA, Moulin-Izer, Annecy, Grasse et Laurent Cuiseau, il n'y a que 4 points encore. Attention à Kadir. Martigues et Fréjus représentent à eux deux le ventre mou du championnat. Oui. À la 6ème et 7ème place. Le Parmentier. Oh, la passe manquée d'Alexandre de Parmentier. C'est le problème de Martigues sur ce match, c'est l'avant-dernière passe. Et là, ça offre une excellente possibilité à Annecy, avec Eloge Nzayam ici, qui va trouver Garbi. Poulain, ah, la bonne remise pour Garbi, mais c'est bien défendu par Famba. Et faute de Garbi sur Famba, alors qu'on approche du temps additionnel. Ouais, et ultime changement pour le pour FC Annecy. Avec l'entrée de Mathias Sistito. Et la sortie de Mehdi Kadi. Kadi qui a beaucoup donné ce soir. Alors que si on a des amis corses dans nos suiveurs, on en le a. Sporting Bastia s'est imposé sur la pelouse de Bobigny. Alors que Sedan, qui est la meilleure équipe de National 2, toutes poules confondues, puisqu'ils sont à tout simplement 11 victoires en 11 matchs, avec un seul but encaissé. 11 matchs, l'ancienne équipe de Nicolas Uzaï. Ouais, équipe de National 2 qui a des structures, des infrastructures juste extraordinaires. Qui compte dans ses rangs un ancien Andoumois, puisque Baldé, capitaine d'Andoum la saison dernière, a rejoint Sedan cet été. Attention à ce... Ouais, le bon dribble. Ah, non, il a trébuché là, il a glissé. Ça peut faire mal, mais il n'y a pas de faute. Nzayam ici qui n'est pas du tout rentré dans son match. Par contre, Kadir, lui, fait un excellent match. Le pied un peu haut sur Kadir. C'est vrai que là, on a la sortie de Noé Cabezas. Alors là, il y a deux Martego au sol. Pour Annecy, a représenté beaucoup de pertes de balles. Il y a une grosse perte du point de vue de la maîtrise du jeu. Et donc je disais Bastia qui est à... Alors Kadir s'est relevé, mais par contre l'attaquant Martégal reste au sol. C'est Ibrahim Madi. Ok, il a été touché à la tête visiblement, mais ça a l'air d'aller. Ouais, il a la tête un peu qui tourne. Est-ce que avec le froid, c'est vrai que ça peut faire assez mal. Bon allez, ça va aller. Vous parlez de froid ici à Martigues. Ouais, les hauts savoyards, bon. Hein bon, c'est un froid provençal quoi. Alors qu'on va avoir le temps additionnel dans quelques secondes. Parce qu'il a neigé hein, sur les sommets qui entourent le lac d'Annecy. La neige est pas loin. Donc, allez, finalement on l'aura pas. Ce coup franc. Allez, c'est bien frappé. Oh, il fallait la laisser. Il était hors jeu, mais Banvo ne l'était pas. Il a un peu volé le ballon la Wilvers. Et c'est très bien défendu par les hauts savoyards. Qui ont très bien mis 4 joueurs Martégal hors jeu. Martego, pardon. Un cheval des chevaux. Merci. Je le dis à ma fille, donc je te le dis à toi. Alors qu'on commence à siffler le coup de sifflet final un peu partout. Ouais, bien joué ça. Il s'arrache le milieu de terrain Martégal. Il aurait dû le lâcher avant. L'Estito, il est tout seul à gauche. Et il a vu Poulain, est-ce qu'il va réussir à le servir? Non. Dommage s'il avait vu à gauche et servi surtout. Et Pinto Borges qui vient encore enlever le ballon des pieds de Madi. Ouais, c'est trop tard maintenant à gauche. Ouais, mais Famba est revenu défendre. Et duel entre Eloge Nzayam ici et Bello. Et Eloge Nzayam ici est perdant. Jean-Charles Bello. Oh, qui manque complètement sa passe. C'est pour ça qu'il est stopper et pas numéro 10. Mais du coup, il faut qu'il revienne en défense maintenant, Jean-Charles Bello. Allez, bonne couverture de Melvin Adrien. Pour Melvin. Ça va être un match frustrant pour les deux équipes.
ça va être difficile. Ça va être difficile de tirer des enseignements pour les deux coachs. Ouais, c'est perdu. L'arbitre regarde son chrono à chaque arrêt de jeu. On ne doit pas être très loin du coup de sifflet final. Kimundu. Et on joue les arrêts de jeu, oui, effectivement. Bello, ça passe au-dessus de la défense pour Fofana, qui remet la bonne défense de Goncalves. Ouais, mais surtout, personne n'a suivi dans l'attaque Martégal. Ils y croyaient pas trop. Allez, pourquoi pas dans ces dernières secondes. Diakité pour Kadir. Ouais, ils se sont pas compris. Mais il va s'arracher Fofana. Pas de pénalty. Non, pas de pénalty, l'arbitre est formel. Hors jeu d'Adama Diakité. Ouh, ça aurait pu se siffler, on va jeter un œil sur le replay après. Si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas habitué des retransmissions Chronos, le match sera disponible demain en intégralité sur YouTube. Et quand je dis ça, je regarde fixement Sylvain Poncé. Oui, alors oui. Que l'arbitre siffle le coup de sifflet final. C'est un euphémisme. Un pléonasme, pardon. C'est terminé, 0-0 entre le Saint Martin et le FC Annecy. Rien à dire, match nul compréhensible. Ah, mais on et manque, logique. Ouais, parce qu'il manquait un peu de justesse technique des deux côtés, notamment dans la transmission devant le but. Et c'est compliqué, des ballons. De sales ballons, de les rendre propres, et du coup c'est compliqué de marquer un but. Allez, on va rester sur cette bonne parole du chef Sylvain Poncé qui a repris le micro à l'occasion. On se retrouve la semaine prochaine en direct du Technosport de Lumini pour le derby entre le SMIC et Venel. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci aux supporters d'Annecy d'avoir été si nombreux dans les commentaires et d'avoir pu partager ce live. On remercie comme d'habitude lorsqu'on est là l'organisation du FC Martigues et l'organisation du Stade Francis Turquand pour nous accueillir dans de si bonnes conditions. On vous remercie à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On remercie également Farid Bendadou, bien évidemment. On remercie l'excellent Farid Bendadou aux images. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais, jamais, au grand jamais, le championnat de National 2D, le meilleur championnat du monde. Et il se joue toutes les semaines sur Chronos. Au revoir. Allez, bonne soirée, bon week-end prolongé. Et bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.